Nouvelle semaine, nouvelle actualité, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense les Quinois, le premier même de la semaine. Nous sommes sur terrain pour couvrir un sitting du bloc patriotique qui revendique devant la CENI en ce qui concerne la dépolitisation de la CENI, le tax RAM et plusieurs griefs. Voilà pourquoi nous sommes sur terrain pour avoir les avis de la population quant à ceux. Sans plus tarder, je nous laisse les avis des uns et des autres et voir ce qui a été cette ambiance. Suivant. De ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons, c'est la dépolitisation de la CENI. Tout ce que nous voulons, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas fraude électorale. Tout ce que nous voulons, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas glissement. Voilà ce que nous voulons. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au pays. Au lieu que le gouvernement s'y attelle, par contre, lui esquive le véritable problème social qui se pose. Notre peuple connaît une misère indescriptible. Ce gouvernement est incapable de résoudre le problème de la population. Et voilà même aujourd'hui, au lieu de laisser les gens passer, mais on se permet même d'empêcher aux gens d'accéder à leur lieu de travail. C'est anormal. C'est anormal. Et nous disons que cela ne va pas du tout nous fatiguer. Nous continuerons à faire notre travail. Tika biso to fanda, to tika biso kimia. To bo ite soka koya wa biso ki wa bi. Mwa ba kanga kuna, tala peuple nenga zo soufri. Mwa to travailler et zalité. To komi na ba peshima ya makambo ebele. Tande to kanga mimisa les ate. To fane sika mo makambo oya bango. Eza ya peuple te. Ba soane oya bango, bango moko. Bo biso ne batu, to zane pona bango. So ba komolo ka ba soufri peuple, c'est que ba ko avancer te. Na makambo za ko lukela biso. Biso to za ba innocent.
Je ne suis qu'un simple coopérant. Biso présence na biso awa na ville les ayepoto marché pour la dépolitisation ya CENI pour dire non à CENI politisé pour dire non foxing na pouvoir ya camarade de ko na biso aza na place de ko Félix yango présence na biso ekipto marché et aza chef de l'état toujours respecté to boité mais to na biso laïque to na biso peuple congolais to lingé grande ko na biso awa zali mo ko en place à mettre ma moyen na ye o ezali que chef de l'état azali garant ba institution a sangisa ba congolais hein a sangisa biso to solo apo na makambo a CENI. C'est ça notre souci. Nous sommes pas ici pour venir taquer parfois siège à CENI, non, pour dire que monsieur Kadima place wana joue ezay a été. Il faut to songa na consensus ndenge ba prêtre ba solo ba ndenge ba quand même ba société civile parce que nga naza partisan à société civile ya dynamique pour la réforme et le changement pour la république. Bonjour. Donc voilà, nous avions appelé à des manifestations pacifiques, comme d'habitude, faire un sit-in au niveau de la CENI. Mais nous comprenons, nous voyons aujourd'hui que la dictature que nous décrions qui est en train d'être mise en place est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Tout le centre-ville a été barricadé, ils ont empêché les commerçants, c'est la commerce de Bango, alors que Bissot, nous avons toujours fait des manifestations où ils étaient toujours pacifiques, où il n'y a eu ni casse ni dégâts. Mais tout comme il pour accéder au niveau de la CENI, pour nous faire un sit-in à Bissot, tout le monde est police, on dirait que c'est une zone d'instabilité. Et on doit toujours comprendre, nous allons continuer à manifester, nous allons continuer à mettre la pression pour arriver à nos objectifs et à décrier cette dictature qui est mise en place par le régime en place. Merci. Vamos a ver.
Placé de lui-même à la tête Yasseni, il y avait eu processus qu'on appelle désignation d'un candidat président ou un bureau de la CENI. Alors, dans le processus, partie prenante, il y avait 8 confessions religieuses, parmi lesquelles il y avait l'Église catholique, représentée par la CENCO, parmi lesquelles il y avait aussi l'Église SCC. Aujourd'hui, parmi les organisateurs, il y a marche, on trouve l'SCC, on trouve l'Église catholique. Là, on trouve que c'est une marche sans objet. Pourquoi sans objet? Parce que Bao et Bazala qui sont partie prenante dans le processus, Bango et Bazala qui ont organisé marche parce que battre Bango par Baninga Moussousou. Alors, c'est sans objet. Quand on regarde du point de vue itinéraire, on trouve que l'itinéraire n'était pas fixé. Cet itinéraire, ça veut dire quoi? Nous allons quitter des gares centrales vers Place des Évolués. Nous quittons par exemple de Saint-Raphaël vers la ville. Cela n'était pas signalé. Alors, du fait que signaler est une réalité, c'est un désordre. La police ne pourra jamais sécuriser une marche pareille. Pourquoi? Nous sommes dans un système d'information. Même si l'État ne peut pas autoriser, mais l'État doit prendre acte de votre marche. Quand l'État prend acte, ça dit qu'il doit mobiliser la police pour sécuriser. Mais la police ne peut pas sécuriser les gens qui n'ont pas l'itinéraire. Voilà pourquoi l'État congolais n'a pas accepté cette marche-là. Mais quand vous voyez Banzela Moussou Zali tout autour de la CENI être bloqué, c'est pour éviter, parce que l'itinéraire est banakité, côté Baobimele est banité. Alors pour éviter tout désordre, tout casse, il fallait que l'État congolais prenne des mesures dures. Et ces mesures sont les suivantes. La police va sécuriser le bureau de la CENI et le périphérie. Ce qui veut dire, Zélagnon Sozali qui convergeait vers gare centrale, vers le bureau de la CENI, il faut les bloquer pour faire régner l'ordre. Alors, Baninga obate qui les loté, Bamama obaccédé na place na bango ya côté katé, il faut bailler baké. C'est pour de simples raisons, la sécurité prime au-dessus de tout. Mais c'est quoi Baobinga Mouza dictature? Dictature n'a pas le chef de l'État. Comment on a été bloqué, tout m'a été quitté et tout ça. La dictature, ça n'a rien. Dans chaque État, il y a des lois. On ne peut pas vivre dans un état comme si on était dans une jungle. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des lois. La loi reste la loi, même si c'est dur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans un système d'information. On informe qui? On informe l'État. Pour que l'État fasse quoi? Azoa, moyen à sécuriser ma marchand. Maintenant, quand l'État n'a pas été informé au préalable, ou soit quand vous informez et vous laissez un flou. Le flou, c'est quoi? Vous dites, nous allons marcher devant le bureau de la CENI. Vous ne donnez jamais l'itinéraire. Bah, évitez que Bouhout et la Wapi, même s'il faut faire le sitting devant le bureau, pour que l'objet, ça doit être signalé. Vous dites que vous contestez l'égalité du président de la CENI. Mais on trouve qu'il y a eu le processus jusqu'à l'aboutissement. Il y a eu 8 confessions religieuses, parmi lesquelles les 2 organisateurs de cette marche, Baprena qui part. Dans leur charte, Balobi Boyi, si le président n'est pas là et le vice-président, la majorité des confessions religieuses peuvent organiser une plénière. Et à la fin de chaque plénière, il y a un rapport signé. C'est ce qui a été fait. Dodo Kamba a présenté un rapport à l'Assemblée. L'Assemblée a entériné, le chef de l'État a installé et la Cour constitutionnelle a confirmé. À ce niveau-là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de flou. Il faut aller jusqu'aux élections. Maintenant, quand vous commencez à ternir l'image du pays, quand vous commencez à injurier les autorités, quand vous commencez à vous attaquer à des édifices de l'État comme les lots, selon les informations à notre disposition, Bazaki n'a pas ça qu'au tomba bureau à Sémi. Cela ne peut pas être accepté par l'État. Quand vous venez pour détruire, saccager les édifices de l'État, la loi doit être appliquée. C'est ce qu'on a appelé aujourd'hui la police pour qu'elle va sécuriser Biro et Asseni. Alors on ne peut pas sécuriser en laissant tout le monde entrer parce qu'on ne sait pas qui peut faire quoi. C'est comme ça va bloquer Banzela. Moutalobi que non, et sa dictature, azo comprendre nanouté. Parce que sécurité, il y a ban amboke au-delà de tout. Tu peux ne pas vendre les lots, mais l'obi au côté ka. Mais ceux qui battent au babimouana, na katia mouboulou libange zuyo koufi, l'obi au côté kate. Donc ceux qui le lot batte quitté, ils ont manqué à gagner pour le pays t. Mais ceux qui battent au koufi, le perte de vies humaines engage l'État. Alors, bato bazali ko kanisa ki parce que ba accéder na boulevard té ba té kité ba kokufa, mais ceux qui désordre bimi na kata bitumbo zuli sas na kata bitumbo zuli banga, c'est une perte énorme pour l'État. Alors pour éviter cela, on trouve que l'État congolais a mis 2 moyens, parce que si l'État ne sécurise pas aussi, l'État sera responsable.
on va dire à l'État pourquoi tu n'avais pas sécurisé, alors tu as été informé. Alors l'État se trouve qu'il a été mal informé parce que l'itinéraire n'est pas fixé, l'objectif ne marche, n'est pas normalement avec objet. Pourquoi? Parce que l'objet de marche doit être signifié. Toboy Kadima, oui, pour quelles raisons? Il est déjà installé. Nous ne sommes pas à ce moment-là. Non, dépolitisation de la CENI ne peut pas être quelque chose. Ça, vous me faites entrer en politique alors que je ne voulais pas entrer dans ce plan-là. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas dépolitiser la CENI parce que le président de la CENI, du bureau de la CENI vient de la société civile. Mais le vice-président vient d'où? Il vient de la majorité. Quelle majorité? Majorité au pouvoir. Ce sont des politiciens. Le rapporteur de la CENI vient d'où? Il vient de l'opposition. Alors, celui qui vient de l'opposition protège l'intérêt de l'opposition. Ouattiscon, la majorité, il protège le droit de la majorité. Donc, la CENI ne peut pas être dépolitisée. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, la dépolitisation de la CENI, c'est la chose la plus simple. Il faut recommencer la loi électorale. Mais banane, bazo, marché, les lots, ce sont des gens qui avaient voté cette loi. FCC est encore majoritaire, na formule FCC cash. Bangonde va voter avec la loi électorale actuelle. Est-ce que Bato va voter avec la loi électorale? Est-ce que Bangonde va marcher pour la dépolitisation à CENI? Non. Parce que dans la loi électorale, balobi, président à CENI à côté de la majorité, na société civile, vice-président à côté de la majorité, rapporteur à côté de l'opposition. Cela étant fait, vous avez déjà la composition comme suite. Société civile, opposition, majorité dans ces trois personnalités. Donc la CENI ne peut pas être dépolitisée. Il faut qu'il y ait la politique. La politique, pourquoi? Parce que CENI, Azalina, tendance n'y a ce misato. Bonjour. Dino Baté, Tozo Saraka, vous salate. To Betty Moutouté, To Sale Locoté, To Baterika, Biloko Nyon, So Batou, Tout Batambo, La Bassara, Bien Lavo. Si, puisque Balingaki. Balingaki quotidiennement. Balingaki, Mobulu, Ezalana, CENI. Nde CENI, To isolé. Mais on y a ce tambour, la balola. Embouteillage, on y a ce tambour. C'est ça l'objectif, Moussa Zosalema, le magasin, il y a un fou. Est-ce qu'on est en dictature? Non, police, Moussa Nango, tango autorité politico-administrative, a autorisé. On encadre la manifestation, la marche. Tango aboyi. On disperse, on interdit. Toko obéir nanani. Mibeko nde zanadi. Ainsi s'achève ces magazines. Vous étiez nombreux à suivre les avis des uns et des autres quant au sujet donné. Vous aviez eu à remarquer ce qui a été l'ambiance de ces sittings et voir comment il y a eu répression entre les civils et quelques agents de l'ordre. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Restez-nous fidèles d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.